Voici l'histoire de Bilbo Sacquet, un hobbit qui n'avait aucune idée des aventures qui l'attendaient, ou de leurs conséquences. À mon précieux, il doit connaître le chemin pour sortir. Brûlez les arbres. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et... Fireflav, bonjour. Je me sens bien aujourd'hui. Pour une vidéo assez particulière, comme dit tout les... Enfin, comme ce que disent tous les youtubeurs, finalement. Ouais. On va faire une vidéo sur Bilbo le Hobbit. La redécouverte pour moi et la découverte totale pour Fireflav. Ouais, j'ai déjà découvri, mais... Oula Ne vous inquiétez pas, on n'est pas bourré. Long time ago, ma découverte. Voilà. Si, je l'ai déjà découvert, je l'ai déjà découverte avec toi, ce jeu. Ouais. Mais il y a très longtemps. Oui, très très longtemps. Puis avec toi qui jouais. Oui, mais là, la particularité de cette vidéo, c'est que ça sera Fireflav qui va y jouer. En partie. Nouvelle partie. En partie. Cinématique du début. Parce que la petite règle, c'est que moi j'ai le droit à deux vies et toi une vie. C'est à dire que moi, une fois que je rate mon coup deux fois, on dira plutôt trois vies du coup. Ouais, trois vies. Bilbo Sacquet était et toi une vie. Il vivait une vie confortable et n'était jamais ouais, pas si confortable que ça. Man. Bilbo fut donc plutôt sur... Ça va être compliqué ce jeu. En fait, à la base, on voulait avancer dans le conflit du Vietnam, mais la sauvegarde est corrompue. Effectivement. RIP la carte mémoire de la PS2 qui coûte. Enfin, en tout cas, pour conflit du Vietnam. Du coup, on avait la flemme de refaire le début. Et donc, on fait un meilleur jeu. Pas forcément meilleur, mais différent. Oui, différent. Et puis c'est plus dans l'esprit de Noël. Oui, voilà, c'est un vidéo test Noël à la base, c'est pour ça que je me suis déplacé. Autrement, j'en ai rien à foutre de la chaîne, mais c'est juste que là, c'était... Ça va pas vraiment être un test, je préférais faire un vrai test plus tard sur ce jeu. Mais ah oui. Là, on fait un peu en mode let's play, abracadabrandesque, là, je sais pas comment dire. Oliver, pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo, c'est un truc à la ramasse, quoi, c'est un truc à la va-vite. Mais c'est en un même truc temps, pas sérieux. En même temps, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait, le jeu. Je peux pas dire vraiment... donner mon ressenti... à chaud, comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux mettre plus de... son? Pas trop. Ouais, mais le problème, c'est que ça risque d'empiéter sur le micro. On va voir. Ça va être une vidéo magnifique, hein. Ne vous en faites pas. que de souvenirs. Avec cette magnifique VF. Bon. C'est parti. Et ce bruitage, c'est vraiment... C'est de la chance. Quand on a ce bruitage, c'est qu'en gros on a une sauvegarde, voilà, un point de passage. Et là, on rappelle que Fireflav ne peut pas mourir, c'est le tout début et... C'est un rêve en même temps, donc c'est un rêve, voilà. Je trouve ça complètement logique. Voilà, c'est un jeu réaliste, en fait. Oui. Quand on y pense, c'est limite pas loin d'avoir Total War au niveau réalisme. Ah, merde. Il y a eu un petit bug. Bon, par contre, voilà, ce jeu-là est quand même un peu buggé par moment. Ça, je m'en souviens. Des fois, il y avait des petits problèmes au niveau de la hitbox.
Et c'est un jeu très exigeant. Si vous trouvez Dark Souls difficile, c'est que vous n'avez jamais joué à Bilbo le Hobbit. Il n'y a plus d'hommes qui m'aident. Non, mais là c'est bon. Là tu peux avancer, là t'es. Il va où? Ah, c'est. T'as vu l'escalier là? C'est un F qui se continue en fait. Mais oui, c'est fou. C'est pas comme des Medal of Honor Bataille du Pacifique où ça s'arrête. C'est juste un combat, moi, comme ça. Ouais, en fait, ça spoil un petit peu parce que c'est. Le dernier niveau du jeu, en fait, c'est ça. Oh putain. Sauf qu'on a une vraie barre de vie, évidemment. Bon, c'est une petite partie du dernier niveau, quoi. En fait, là, on se retrouve un peu à la fin du livre. Hein. On est à la page 480. Attention à la grenade, ou après. Vous voyez que techniquement le jeu, voilà, c'est pas fou. Et techniquement, mais, le joueur, il est comment? Il y a beaucoup de skills, évidemment. Du potentiel. Du potentiel. C'est bizarre quand même que les gobelins sont plus grands que les hommes et les elfes. Oui. C'est pas très réaliste. Mais c'est un jeu. Ah oui, c'est vrai. Oh, ces gobelins-là, ils sont hyper chiants. C'est exactement la même mission à la fin. Non, c'est pas exact. Non, ils ont changé, mais c'est le même environnement. Ah oui. Ouais, voilà, l'IA, elle est ce qu'elle est, elle est un peu buggée. Des fois. C'est un peu compliqué. Ah, ça se bug petit à petit. Petit à petit, ça sort ils sortent leur doigt de leur cul. C'est intéressant. Ouais, niveau musique, hein, quand même, c'est plutôt sympa. C'est assez épique. Bah, quelquefois, on a des petites coupures, par contre. Les pistes se coupent. Et bon, ça, c'était... Ça arrivait assez souvent à l'époque. Heureusement, les dialogues ne se coupent pas. C'est déjà ça. Hein. Ah, c'est fini, Ram, là. Ouais, le rêve est fini en fait, ça dure longtemps. Ah bah ça a pas duré longtemps, film. Ce n'était qu'un rêve. Juste un rêve. Mais quelle aventure! Une aventure incroyable. Malgré sa peur, quelque chose se réveilla en Bilbo. Il voulait découvrir des terres lointaines, explorer des grottes et porter une épée. À son propre étonnement, Bilbo accepta de participer à l'aventure. On est plongé dans cet univers féerique, oui. Médiéval fantastique. On dirait pas des pommes qu'il y a dans l'herbe, par contre. Ouais. On dirait des vieux carrés, des spots. C'était bien des pommes quand c'était une télé cathodique. Vous avez fait la grasse matinée, monsieur Saki. Ce n'est pas avec ça que vous convaincrez Dorin de vos talents de voleur. Je vais lui montrer. Même si je dois marcher jusqu'aux confins de l'Est et combattre les Vergarous dans le dernier désert. Maintenant, vous devez vous rendre à l'auberge du Dragon Vert. Les nains vous y attendent. Pas de temps pour ça, ni pour faire des bagages. Mais prenez votre bâton de marche. Qui sait où vous allez terminer aujourd'hui. J'ai l'impression que la Wii va décéder. Elle fait plein de bruitages, pas rassurant. Ah ouais, B c'est pour avoir des actions communicatives. Et oui, communicatives, ouais, contextuelles. Une interaction avec les PNJ. Lorsque vous trouvez des points, la jauge de courage de Bilbo se remplit. Ah, et ben, en gros, c'est de l'XP. Ah, ok. Et quand. En gros, regarde, c'est le bâton que t'as au-dessus, là, noir. Là, là t'as vu, il y a un peu de bleu qui. T'as un peu de bleu. Oui. Et en fait, le pixel bleu, c'est le diamant que tu viens de récupérer, là, le truc que. Ah ouais. Et du coup, C'est de l'XP. Et donc, quand le truc est rempli, après, bah, tu gagnes un niveau et donc tu gagnes un point rouge. Voilà.
et la barre de vie. Et du coup, les boules rouges, là, c'est quoi, ça? Bah, c'est la vie. Les boules rouges. Ah ouais. Le bâton de marche. Bon, je pense bâton que c'est marche. Bon, j'ai fini la première mission. Il a pu ouvrir un coffre, c'est déjà ça. Allez retrouver les nains à l'auberge du dragon vert. En route. En route, monsieur Sake. Qu'est-ce que c'est? J'ai un trou dans la poche. Mes pièces d'argent doivent être dispersées dans tout Hobbitbourg. Ah, ça me rappelle un pote qui fait que de perdre ses pièces. Au kebab. Ah, c'est quoi ça? Ah, bah, c'est vrai, c'est. C'est des spots de sauvegarde. Voilà. Oh, c'est intéressant. Je pensais à Doro Mujisa. Vous savez tout à son sujet, n'est-ce pas? Bien sûr, c'était mon arrière-grand-père. C'était un hobbit aventurier. Il a remporté la bataille des champs verts. Il a fait voler la tête du roi des gobelins d'un gros coup de gourdin. Il est parti dans les airs et a atterri dans un trou de lapin. C'est de là qu'il est revenu. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, Doro Mujisa. C'est passionnant. Ça fait un très bon livre. Dommage qu'il n'ait jamais été écrit. Ouais. Ah, j'ai déjà beaucoup d'XP. Hein. Ah purée. Les arbres au loin qui ressemblent à putain des pixels. Ça faisait pas ça sur ma télé cathodique. Belle journée, n'est-ce pas? Bonne journée, gamer. Je crois que j'ai perdu mon aiguille à repriser quelque part dans la vie. Oh non, dis-moi pas qu'il y a des petites missions comme ça avec des vieilles. Non, mais c'est qu'au début. Ah oui. Bien entendu, gamer. Et il y a une autre mission aussi plus loin dans le jeu, mais c'est vite fait aussi. Mais non, il y en a pas trop. J'ai faim. Il est presque midi et je n'ai pris que deux petits déjeuners. Il y a un magnifique gâteau en train de refroidir sur le rebord de la fenêtre. Je vais rentrer à la maison. Un petit morceau de... Là, c'est plein de quêtes annexes, en fait, t'es pas obligé de les faire. Ah oui. Juste pour gagner de l'XP ou... Ouais, c'est ça, pour gagner de l'XP et pour avoir plus de vie après, quoi. Non, de toute façon, je suis pas sûr d'aller très loin. Manque de skill. C'est quoi, ça? Ah, bah c'est le truc que tu dois ramener à la vieille. Oh, pourquoi je fais ça? Ouais, c'est bon. Non, mais c'est vrai, mon objectif, c'est du fetch, de l'aventure, c'est quoi? Du fetch. Au pire, on fait le speedrun là. C'est un speedrun quoi. Bah, du premier niveau, on s'en fout, tu vois. On fait le speedrun, on parle à personne, on va jusqu'à la fin et après, voilà, le mode aventure. On est pas sociable donc on s'en fout. Oh. Donc, voilà. De toute façon, on est des geeks, on est pas sociable. Hey, ah, ça c'est pas obligatoire. Désolé, aussi. Je suis pressé. Vu la gueule qu'ils ont, oui, c'est pas obligatoire. Tout droit sorti de la Nintendo 64. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Ah merde. Ah si, la bande, ça c'est obligatoire. Oh putain, il y a plein de plateformes. Ouf. Quel handicap, il ne vient pas avec son matériel. Ouais. Ce que je trouve étonnant, c'est que le jeu est quand même plus fidèle au livre que le film. C'est un peu honteux, mais... Ouais, je pense pas que le jeu avait l'idée de faire beaucoup de fric. Mais... Ouais. Contrairement au film. Bah, là, on voit qu'il y a pas eu énormément de budget, parce que... Voilà, pour de la PS2 ou GameCube... Bon, c'est la moyenne, quoi, mais c'est pas ouf, graphiquement. Mais y a quand même eu du travail, hein, parce que bah, le jeu est quand même intéressant à parcourir, en tout cas dans mes souvenirs, ça fait longtemps. C'est surtout pour l'ambiance, j'ai l'impression. Puis l'ambiance aussi. Hein, bon, c'est un speedrun, donc je vais pas sauvegarder à toutes les sauces. Tu sauvegardes au niveau d'après, là, le vrai premier niveau, quoi, parce que là, c'est plus l'entraînement, quoi, celui-là. Ah ouais, ouais. Je pensais avoir fait quelques exploits, déjà, mais... Moi, je suis déjà perdu. Ouais, c'est un autre. Ah oui.
Open world, là, attention. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est la Xbox. Hein. Faut discuter avec la vieille dame, là. Faut que tu sautes, là, oui. C'est la Xbox, c'est compliqué. Ah, c'est pas... Ah, une potion de soin... C'est par là? Non, mais t'aurais dû... Non, t'aurais dû parler au PNJ, là. Ah. Je crois que c'est celui-là, il va dire « Oh, tu m'as trouvé !» Mais en même temps, il va peut-être te passer un marteau ou je sais pas quoi. Ah ouais? Tu te rappelles? J'ai plus... Ah bah, je crois que c'est l'un des petits, là, que tu dois trouver. Enfin, tu dois... on s'est compris. Ouais, j'ai passé un peu l'histoire du cantonnier, là, avec son pont. Il a besoin de son marteau, là, pour réparer le pont. Et putain... Bon, ça sera coupé au montage. Hein. Ah oui, on va couper plein de passages. Un peu à la Super LOL Saga, comment ça se passe? C'est en projet. Ah oui, c'est en projet. Ouais, puis ouais, la bande-son, elle est vraiment pas mal. Purée! Il a perdu de la vie! Il va mourir à ce niveau, au premier niveau. Le seul niveau hyper simple du jeu. Ah, d'ailleurs, les champignons verts, c'est pour récupérer de la vie. Qu'on voit là-bas. Les champignons en JPEG. Non, c'est à gauche, oui. Là. Comme ça? Oui, là c'est bon. Purée. Pardon, Carl, avez-vous le marteau de votre père? Il en a besoin pour réparer le pont. Voilà, monsieur Sake. Il va falloir que je trouve autre chose pour jouer. Branleur. Bon. Bon, ça marche pas à tous les coups. Trop haut, je sais plus si. Ah, déjà, on peut choper les champignons d'ici, mais. Bon, c'est pas grave. Ouais, tant pis. Ouais, c'est quand même. Pour la GameCube, l'eau, c'est compliqué quand même. Ah, il ne sait pas nager, hein, donc attention, hein, s'il a papier. Depuis quand 8 bits, ça sait nager? c'est vrai. Alors. Là, vous voyez bien la barre bleue qui commence à se remplir, attention. Le niveau 2 bientôt. Enfin, niveau 2, juste une barre de vie en plus, hein, c'est pas, on gagne pas des points de compétence ou de je sais pas quoi. Mais là c'est complètement con parce qu'on peut théoriquement on peut sauter par-dessus la clôture quoi. Et du coup faut que t'ailles derrière toi. Si tu fais quoi là? C'est là, regarde, c'est là-bas. À gauche? Non, à gauche. Pas à droite. Ouais, au pire par la fermière, je sais pas. Ah non, je me rappelle bien que c'était là. Faut aller dedans. Même si tu pouvais passer par l'eau là. Je me rappelle que j'ai fini ce jeu et que. T'as fini le jeu. Que j'ai commencé ce jeu. Tout à l'heure. Ici. Bah c'est bon. Ah non, et des clous. Ah merde. C'est la bonne femme qui a les clous peut-être. Ouais, peut-être la bonne femme. Oh. C'est vrai qu'il y a des énigmes. Pas ouais. Facile. Pas facile. C'est le début. C'est simple, mais c'est pas évident. Mes enfants me prêchent pour que je leur parle des dragons. Où ont-ils pu entendre parler de telles créatures? Les hobbits respectables ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de dragons. Mouah, ils sont où ces clous? Ça se trouve, ils étaient au niveau des champignons, là, ou... Ou peut-être dans la cascade là, il y a un truc secret. Hein. Souvent un truc secret derrière les cascades. Hein. Ah, il y a une espèce de sac au-dessus, c'est pas les clous ça? Ah, il y a rien. Oh, ça fait ramer la console. Ah non, c'est pas les clous. C'est juste un. C'est du blé. Ça commence très bien.
Bon, je pense que je ferai des coupures parce que c'est pas possible. Bon, je mettrai en vitesse rapide. On aura des voix de chipmunks et... Ouais, voilà. Puis moi j'ai pas envie de me coucher à 2h du matin. Ça n'a rien à voir. Au pire, je le fais. Parce que là... Ouais, mais non, l'objectif c'est Noël, c'est un truc exceptionnel. Et là, en c'est l'occurrence, le truc exceptionnel, c'est moi. Moi, je suis une sauvegarde. Speedrun. Jamais trop prudent pour un hobbit. Je crois que c'est pas du tout là en fait. Mais il est où? Quoique. Bah là il y a les champignons, peut-être essaye, mais. Ouais, il y a rien. Derrière les champignons là, derrière, t'as les diamants là, enfin les. Les rubis là, je sais pas quoi là. Ouais, ils sont hauts. C'est pas dans le petit village derrière? Ouais, si. Tu peux pas y aller. Mais tu peux pas y aller d'ici. T'es obligé de faire tout le tour. Il me semble. T'as un vieux mur invisible. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Regarde, vite fait. Dans le livre, y'a pas de machin invisible. Y'a pas de mur invisible dans le livre, les gars. Dans le livre, il part sur un poney et puis il part à l'aventure. C'est vraiment plus, il part sur un poney. Derrière. Non, c'est pas grave. Non mais descends parce que là c'est pas possible. Bon, je monte sur les rondins ou pas? Nom de Dieu. Tu voulais faire ça depuis tout à l'heure? Ouais, c'est compliqué. On... Si ça tu trouves compliqué, alors la suite purée sur les vieilles planches là sur l'eau. Flottant sur l'eau. On m'a dit qu'un magicien était venu vous voir hier. Mon père dit que votre mère accueillait souvent des visiteurs étrangers avant de devenir respectable. C'est un coup ça. bon. Tu me conseilles quoi là? Parce que. Faut descendre. Ça sert à rien ce que j'ai fait alors. Ouais, descendre, oui, ça sert à rien. Oh purée. c'est juste pour le marteau en fait ici. Et les clous ils sont où? Je sais plus du tout. Faut descendre. Ah, attends, il y avait un truc qui brillait là. C'est quoi en dessous? Non, ça, sûrement, je pense que ça doit être un endroit assez visible quand même, les clous. Ah, c'est sur la caisse après la cascade alors. Si on voit la cascade, mais il y a un chemin après la cascade. Faut monter tout en haut. Non, il y a rien, je me souviens. Non. Non, pourquoi il y a des marches? C'est juste pour les XP. Les XP. Ouais. Merde. Il faut revenir à la cabane là, il y a plusieurs chemins. T'es sûr? La cabane. Dans la cabane, t'es pas allé peut-être tout en haut là, t'as peut-être un truc. Ah ouais! Je pensais que tu connaissais beaucoup le jeu, moi. Ouais, je m'en souviens presque plus, moi. C'est bien que t'y as pas rejoué depuis. Bah, j'avais rejoué à Indiana Jones et le tombeau de l'empereur en let's play. On pourra pas rejouer celui-là en let's play, mais... Ah, bah, c'est là, je pense. Il y avait quelque chose. Ah, aussi, je me souviens que c'était tout en haut. Il y avait un truc. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bon. Voilà. Quel talent, Fireflav. Il faut sauter à la corde. Ouais. Oh ouais, je sais faire ça. Yes. Oh oui. Je sais faire ça. C'est bon, t'as chopé les clous, tu peux revoir le... Cantonnier. Le cantonnier, oui. Il est juste à gauche. En vrai, ça prend 6 mois à faire un pont. Oui, mais c'est médiéval fantastique. Bonjour Bilbo. Nous avons encore besoin de... Et bon but. Si jamais vous trouvez d'autres provisions, apportez-les-vous.
Ah bon ? C'est une quête annexe ? Ouais, c'est annexe, je crois. Mais tu peux... À gauche, là, t'as une boutique et tout, je crois. Attends, t'as quelque chose. Ah. Bonjour, Lorella. Ouais, je sais plus pourquoi. Bonjour, Bilbo. Mon père le nain a tenté d'acheter du sucre et des épices. Mais je n'ai pas pu retrouver la clé de mes coffres. Votre mère était douée pour ouvrir les serrures sans la clé. Vous avez le même talent. Ah oui. Forcer les serrures de ses coffres. On peut crocheter les serrures. Mais c'est des fois c'est pas simple, mais là ça va être facile, je pense. Ah, faut hop, toucher le vert. T'appuies sur A ou vert. On recommence. Vert, vert. Ah, c'est bon. On aura besoin de bien des provisions pour ce périple. Vert. Non, merde, t'as fait rouge. Le rouge, des fois, ça te tue. Hein, hein? Ça te fait perdre de la vie. Pourquoi il se coince le doigt dans la serrure? Ah, c'est peut-être ça. Non, c'est que t'as un piège, ça explose ou des conneries ouais. Comme ça. Ah, le dragon vert, c'est trop bien ça. Bravo, vous êtes dans les temps. Les autres... oui, dans les temps. Quand vous serez prêt à quitter Hobbitbourg, ouvrez simplement la porte de l'auberge du dragon. Si je suis ouvert à une porte. Bien joué. Il était temps, monsieur Sakai. Le voyage commence. On va commencer la vraie aventure. Ouais, c'est la vraie aventure. 23h46. Bon, elle a pas duré longtemps l'aventure. Ça va être compliqué. Elle va pas durer longtemps l'aventure. Oh, c'est le vent de lundi soir, ça va. Ah, et là tu peux acheter des trucs, mais de toute façon t'as pas de thunes donc. Bon, mec. Quitter. Il regretta presque immédiatement d'être parti de chez lui. Dans les dangereuses terres sauvages, il fut rapidement mouillé. Moi, je regrette de donner la manette à Fireflub. Excuse-moi. Moi, je regarde d'être venu. Conflit de Vietnam marche pas. La déception. Si, le... Ouais. On s'appelle le truc au sandwich là. Le Subway, c'était pas mal. J'ai bien réussi mon sandwich. Mouton rôti. Et ben là, on va manger du mouton rôti. Ah, c'est l'aventure là. Ouais, là c'est donc, l'aventure. Là c'est fini le début là. Bah là, let's go, tu vas souffrir. C'est pas facile en plus là. Ouais. Donc on doit prendre un peu d'XP. Voilà. Discuter avec les compagnons. D'accord. C'est le gros bon gars. Les plantes des terres solitaires sont différentes de celles de la comté. Certaines de ces feuilles ont des dents. Ce n'est pas ça. Les serviteurs du roi sorcier exploitaient autrefois cet endroit. Leur équipement est éparpillé un peu partout. Ça veut dire qu'on va avoir de l'équipement. Quelle ambiance quand même. Il y avait un petit quelque chose quand même ce jeu. Quelque chose de typique. D'atypique. De typique. Les typique. Plantes des terres solitaires sont différentes. Ah mince, j'ai déjà eu ce mec là. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait là? Faut que t'avances. C'est toi, tu dois partir en éclaireur. C'est toi qui fais tout quoi. Je suis un voleur. Maintenant c'est ton tour du cambrioleur. Attends, il y a les cheveux blancs en fait. Je sais plus. Oui, si tout est sûr. T'as les couleurs et tout là. Oh, attention, il y a plein de carnivores. Tape là. Il va perdre sa première vie. Ouais, mais on avait dit que j'ai le droit à 3 vies. Premier ennemi. Mais, normalement, il n'y a pas de plan de carnivore dans le livre, je comprends pas. Oui, bah, c'est parce que c'est pour qu'il y ait plus d'ennemis. C'est pour ce qui est. C'est pour, mais c'est quoi le bouton d'attaque? Putain, c'est B. Ah, t'as le bâton là, mais je pense qu'il fallait que tu le sortes déjà, le bâton. Ouais. Je sais plus comment. Bon, ça, c'est réaliste, mais bon, ouais. T'as pas une attaque à distance? Vas-y, déjà, t'as trouvé le bouton pour viser l'ennemi, c'est déjà bien. C'est un bon début. Vite, tu le moules. Vas-y.
putain. C'est bon. C'est passé. Oh putain, il y en a trois. Il a galéré sur un seul, là il y en a trois. Il n'y a pas un bouton de protection? Pas pour l'instant, je crois. Mais... Moi j'en rends encore une fois. Ouais. Il est vraiment crevé, là. Oui, il est mort. C'est triste comme lui. Avec la musique en plus. Ouais, c'est pas comme si c'était Mario qui... Qui perd une partie. Ouais, quoi. Qui perd une partie. Oh, Pinocchio. Alors, il dit, oh, mamma mia. Et hop, après, il se met à ronfler. Alors, on a sorti le bâton. Allez, on essaye Oh, putain. Ouais, j'ai déjà perdu un peu. Putain, t'as déjà perdu un peu contre ça. C'est... Mais tu sais que tu peux faire A et B. C'est une attaque, voilà. Je vais le faire reculer quand même, le machin. Des loups, des loups. Comme si un seul ne suffisait pas. C'est compliqué. A-t-il réussi? Vous voyez, c'est Dark Souls, hein. Dark Souls avant l'heure, on peut cibler les ennemis et tout. Bon, y a pas les roulades. À la place, on saute partout. Oh, à toi. Bon bah, on va voir comment ça va se passer. Alors, Oliver Plessner prend pour la première fois les manettes. Ouais. La A et CX pour qu'ils sortent le truc. Déjà, faut avoir du blé quand même, c'est important. Ah, mais là, XP. Tu triches par rapport à moi avec ton XP. Est-ce qu'il y a d'autres XP derrière? Ouais, mais non, mais c'est un speedrun. Attends, c'est quoi le haut? Ah, t'as un ennemi là-haut, mais. C'est pour avoir de l'XP, c'est juste ça. Ah, c'est après, ok. Tu peux y aller après. Voilà. Oh. Tiens, bon ça. C'est le prix. Voilà. Il fait son esquive, t'as vu. Hop. On n'en parle plus. On avance. Attends, comment on fait le son en longueur? Ah voilà, c'est ça. Ah, c'est comment ça? L, alors L en avançant et A. Ah ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, ouais, il fait une vieille glissade là, si tu viandes. Ouais. Il fait un dab. Ouais. Il fait un tacle. Ouais, c'est FIFA 06. Ah, et puis c'est là-bas. J'aime particulièrement l'ambiance plutôt sombre. Sombre, inquiétante. Avec les arbres volants là-bas. Non. En fait, c'est que ça a pas chargé les rochers, quoi. Parce qu'après, on va aller là-bas. Mais... Ah, il est encore là, le... Non ouais, il est en fait, il a avancé, mais il s'est TP, quoi. C'est peut-être un autre nain. Ah, c'est là. Faut aller là. Ah, putain, ils sont chiants, ceux-là. Voilà. Et ça. Les feuilles des baies, c'est ce dont Killy a besoin pour son rôle. Ah, faut revoir Killy. Et Killy, c'était qui déjà? C'est un nain. Oui, mais c'est celui. C'est un nain avec les cheveux noirs, les cheveux blancs. Ouais, merde. Ça, c'est Thorin et Tuchin. C'est oui, c'est Thorin. Bon, faut le revoir au début, quoi. Ah non, c'est pas toi. Hein. C'est pas le même. Mais ils ont les cheveux blancs. C'est forcément le même si c'est les cheveux blancs. Bon, c'est un. Ouais, un mode comme ça. C'est pas lui. C'est pas lui. Putain, et comme par hasard, ça va être le dernier. Non, c'est All-in. C'est Win. Ah, mais c'est, on le voit après. Ah, c'est celui-là, c'est celui qui est souffrant. Ah, et voilà. Celui qui est souffrant. Oh putain, et là on a eu de l'XP. Là, c'est bien. Et maintenant faut tous retaper. Alors on peut aller plus vite en faisant L et A. C'est le futur. Hop. Allez, je me souviens qu'il y a des cordes des fois.
Si elles sont vertes, je crois, elles se cassent, elles se cèdent au bout d'un moment. Ah ouais. Certains sauts sont trop difficiles pour les réussir. Ah, c'est un speedrun, donc faut c'est... passer. Et ils expliquent qu'on peut faire L et A, quoi, en gros. Ouais. Ils te mettent tout un texte, fichier texté de 10 mots, pour L et A. Ouais, pour aller là, quoi. Ouais, c'est pas cool. Oh putain. Tu peux sauvegarder, s'il te plaît. Sauvegarde pour Fire. Voilà. Par contre, l'autre sauvegarde, c'était bien de moi. Oui. J'ai laissé une trace dans ce jeu. Maintenant, elle est effacée. on peut faire deux sauvegardes. Ah, ça me fait penser à Resident Evil 4. Ah, c'est vrai. Quand il y a le gros monstre qui sort. Ah, et le El Gigante. Ouais, je sais pas quoi. L'ogre, quoi. Ouais, bon, ça fait moins impressionnant que dans Resident Evil, par contre. Alors voyons ce que ça fait, bah ça baisse le volume d'eau, voilà, c'est bien. Mais là on risque de crever si on va là-dedans. Je sais plus ça. Surtout pas tomber dans l'eau quoi. Putain. Je crois qu'il a même pas pied là. Ça fait 1 mètre de profondeur. Je sais plus comment on va là-bas du coup. Nous aussi on peut peut-être. Putain c'est chaud. On peut y aller. Hop. Ah, oh putain. Une clé squelette, utiliser les clés pour ouvrir les coffres piégés. Ah c'est qu'ils sont piégés les coffres quoi. C'est pour ça. Le crochetage. C'est un métier. C'est un métier compliqué quand les coffres sont piégés. Hein. Quelle méchante petite créature. Avec un espèce de crapaud, là, je sais pas. Ah, on dirait un monstre de Far Cry. Tiens, prends ça. Oh purée. Oh, ils sont nuls. On peut aller au loup. On a du blay. Ouh. Plan des carnivores là. Ouais, les cailloux c'est assez important si je crois on peut les balancer quand ouais, c'est comme ça. Allez voilà, on vise avec R. Voilà, pour les cailloux. Ah c'est R. Ouais. On balance des cailloux comme Monsieur Satan dans Dragon Ball quoi. Merde, c'est magnifique. Je crois que par exemple contre eux ça c'est vraiment efficace. Oh, ça les tue direct. Hein. Après, c'est un peu des ennemis de merde. Sur des ennemis plus costauds, plus tard, ça va pas être la même chose. Merde. Petite sauvegarde. Prochaine sauvegarde, Firefly joue, non que... Je sais pas, ça dépend si tu. Ou alors si je meurs. Mais si tu tombes face à un ennemi. Coriace. Qui aura mis ton talent à haute épreuve. Voilà. Je pourrais sûrement traverser. Ouais. Ouais, c'est là que c'est dur. Quand on fait monter le niveau 2. Il y a plein de chiens. Ouais, ils sont en train de se battre. Ah. Ah, mais dès qu'ils me voient, ils se battent plus. Hein, c'est... Oh, bah, celui-là, il est plus intéressant. Hein. J'avoue que là, je suis en mode bourrinage. Ah, ils sont stratégiques, ces ennemis. Ils reculent et tout. Il y a une petite IA. Oh putain. Ah. Oh c'est hyper important en plus les potions de soins. Il faut prendre. Voilà. Les champignons. Un champignon je crois que ça rapporte une boule rouge là. Un cœur rouge on va dire. On va appeler ça un cœur. Ah il te reste 8 pierres. Oui puisque j'en ai balancé deux tout à l'heure. Hop! Yes! Ah bon voilà. Nous voilà de retour ici. D'abord je vais voir ce qu'il y a là-haut. Je suis sûr qu'en fait, ça se trouve, faut d'abord descendre ici, tu vois. Sinon on peut plus après si on fait monter le niveau de l'eau. Non, c'est juste pour ça.
Ah, ça fait un petit XP, hein. Stratégie. Ouais, faut monter le niveau de l'eau. Bientôt on va level up. Ouais. Et on est censé aller. Allez, bah c'est là-bas. Gros blanc. On entend que les grillons. Non, là oui. T'as dit quoi? On entend que les oui. Hein? C'est pas là oui, le. C'est l'ambiance du jeu, attention. Voilà. Wow. Ah, c'est là que c'est pas facile avec la tornade. Là. Enfin, le cyclone. Là. En fait, c'est des chiottes géantes. Ah. Un cœur de plus. Attends, je vais sauvegarder parce que ce jeu-là, quand on meurt, on recommence depuis la dernière sauvegarde. Ah oui. Ah, c'est Dark Souls. Hein. Ah, c'est Dark Souls en plus difficile. Oh, je... Bon, voilà, faut attendre. Ouais, c'est peut-être pas mal. Oh. Attention la skill. Fire, fire, flamme. Il ne faut pas être déconcentré, fire. Tout se joue maintenant. Tout se joue dans ce saut. Et ici. Oh là là. Oh, c'est bien joué. Oh là là là. Oh, bien wedge. Fire, flamme aurait galéré pendant une heure. T'as 4 vies. Oui, parce qu'on a. Pas de rejeu. On a eu le level up. Ah ouais. Là si je fais le grand saut là. Ah non, donc vous pouvez pas prendre de risque, tu vois, tu prends juste la corde. Ouais. J'aurais fait pareil. Ah. L'ambiance change. La musique qui s'arrête d'un coup. C'était à la. Oh allez, non, grouille là. Quoi? Bah non mais tu cherches les. Faut prendre de la vie, des trucs. L'idée c'est d'arriver le plus loin possible en peu de. En speedrun. En peu de temps, ouais. Oh purée, ce passage là il est hyper chiant. Faut pas se faire repérer par un ogre. C'est impossible de faire marche arrière maintenant. En moonwalk peut-être. Ah c'est ça. Aujourd'hui du mouton et je parie que demain du mouton. On n'a pas vu l'ombre d'un morceau de viande. Tais-toi. Tu peux pas demander aux gens de venir te jeter dans ta marmite. C'est Homer. 3 abominables trolls. C'est peut-être mieux de le dire aux nains, mais ils me répondront qu'un vrai cambrioleur n'aurait pas hésité à faire. C'est de l'infiltration, c'est peut-être pour moi. Hey, allez, Fire. Infiltration, fire. Discrétion. C'est pour Fire. Réflexion. Bah, il se prépare, Fireflav. Il met ses pouces en position infiltration. Position stratégie sur déjà, la main. Je repère le. Est-ce qu'on peut passer à travers les buissons? Non. Non. Déjà, on n'est pas repérable. C'est un premier point à relever. On n'est pas repérable ici, évidemment. Même si on saute comme un con, je crois qu'il nous repère pas. On jette comment les cailloux? C'est R. Il vise et après B, et voilà. Et bon. Il ne repère pas. Deuxième point à retenir. Ouais, je suis pas sûr. Oh, pas bouté dans la jambe. Ah, c'est un bug. Hitbox compliqué. Il y a aussi Xbox compliqué. Pourquoi Xbox? Il ne faut pas dire ça en face de la PS2. Ah, voilà.
C'est là que tu... Là, t'es repérable. Je suis derrière un rocher. Oui. Ah, c'est bon, tu peux passer. Rapide, rapide. Faut monter. Oh, va là-bas. Viens ici, satané lapin. Ça a l'air. Qu'est-ce que c'est? Le jeu voulait peut-être qu'on se fasse attraper. Ah non? Non. Ah, on est rendu là. Oh, c'est remis ici. Ah ouais, mais j'ai oublié de sauvegarder. Mercredi. Bon, on va faire flamme, va faire ce passage. Je sais pas, il y a des choses compliquées dans la vie, mais faut savoir s'en accommoder, je trouve. C'est ce que je vais faire maintenant. Ouah. Deuxième saut réussi. Oh putain, mais non, pas là. Mais non, pas là, bah... Non, pas là, bah, j'y avais une planche. Mais j'ai été à côté. Mais elle était trop loin. De toute façon, on pourra pas partir plus loin. On pourra pas partir plus bas. Plus bas. Ils peuvent pas nous mettre à une sauvegarde précédente, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais peut-être qu'on l'a loupé, et moi je crois qu'il y a une sauvegarde avant. Oui, oui. C'est qu'on l'a loupé. Oui, voilà. Non, c'est pas ici, tu vois, regarde, faut attendre l'autre qui est lent, quoi. L'autre planche qui est lente. Celle-là. Et là, maintenant, faut prendre celle de milieu. Sur la technique. Oh là là. Oh là là. Screenshot. Jumpscare. Faut revenir. C'est derrière. Non, c'est que du skill. c'est du skill stratégique. C'est faire croire aux joueurs qu'on est mauvais et puis en fait on est bon. Faire croire voilà. aux spectateurs. Ou plutôt spectateurs. Les spectateurs, oui, très très bien. Comment on dit les. On peut faire start là. On a déjà vu la cinématique. En fait, j'ai un langage de YouTube d'il y a 12 ans, mais. Appuyez sur start pour passer. C'est vrai qu'ils sont moches. Appuyez sur start pour passer. Ah voilà, et là, voilà, c'est là quand... c'est ça ah, que j'aurais voilà. dû faire. Eh hein. oui! Ouais, je vais encore marquer ce jeu de mon empreinte. De mon empreinte. Voilà, hop, tamponné, c'est bon. Ça fait un bruit de crapaud quand on se garde. Oui. Quand on est dans les menus. C'est parti. Ah, ce passage-là, en plus, il est chiant. Mais faut vraiment qu'il nous ait non, pas mais je crois, en fait, faut... Non, faut pas que tu cours. Je crois qu'il faut que tu appuies sur L pour qu'il soit en mode infiltration. Là. En mode furtif, tu vois. Comme ça? Non, L, c'est l'autre bouton. Comme ça? Tu restes appuyé sur L. Et là, regarde comment il avance. Quand il est comme ça, là. Apparemment, faut pas... Bon, faut attendre un petit coup qui mange son pixel, là. Voilà. Là faut courir. Là tu peux sauter. Je crois que si ça passe quand tu sautes. Ouais. En vite cache-toi là parce que il va être pas loin. De toute façon il fait toujours le même cheminement. Mais il me semble que quand on avance plus loin, ils vont faire d'autres cheminements, tu vois. C'est mort là. Ah bah voilà, c'est ça. Alors ça c'est quand tu négliges Keep Cool. Bon alors, le coffre là. Bien joué. C'est quoi ça? Attention, c'est bon. Ah, le dernier. Oh putain, ça rame. C'est bon. C'est du fric. Et c'est très important dans le jeu, le fric. Parce qu'à chaque fin de niveau, en fait, après, t'as une espèce de boutique. Tu peux acheter des objets hyper craqués. Si t'as assez de pognon. Et si j'envoie une pierre de l'autre côté. Oh. Oh. Il se gratte le dos.
Non, là on peut y aller, je pense. Enfin, je sais pas où là. Ah, si, il faut aller derrière le rocher. Affiche. Quand t'es môme, c'est quand même flippant ce jeu. Alors là tu vois là, lui là, hop, on passe en scred là comme ça là tu vois. Oh y'a là, voilà, je me casse. Voilà, il change d'embranchement. Il va faire un comme j'aime, c'est un peu long. Un comme j'aime. Merde. Ah, j'étais meilleur que ça. Ah oui, c'est la clé qu'on a récupérée, là on peut l'utiliser avec Z. Bon, c'est pas grave. Bon, il avance vraiment pas vite comme ça. Attends, faut d'abord analyser, tu vois. Ah, il se met ici. Il fait l'andouille. Voilà. En fait, y a que lui qui est chiant, tu vois, ses potes, ils sont toujours là-bas. Oula, ouais, c'était bof, là. En temps normal, il m'aurait vu, mais bon. Attends, peut-être qu'en courant, ça passe quand même. Ah, ouais. Là, s'il marche par là... Hop, on passe comme ça. Ah, c'est ici. Faut pas marcher sur les feuilles, sinon il repère direct. Ah ouais. Comme ça, il est là, lui. Ah, il y en a un autre, là. Ouais. Hop. Un peu de plateforme. Attention. Attention. Oh, le coffre. Cette prise de risque. Oh, ça rapporte pas mal de blé. Oh bah il vend beaucoup de blé. 100 balles. Ah, par contre ça paraît loin là. Là faut prendre le bâton. Là, voilà. Oh merde. Oh purée, le fichtre. Cette chance. Il y a eu un bug. Sauvegarde. Heureusement qu'il le dit. On n'aura jamais trouvé sinon. Il est quoi là-bas? Ah, il y a un JPEG. Ah, c'est vraiment un JPEG en plus. Ah non. Ce doublage. Réalisé par Jean-Claude Delaine. Qui a plus tard doublé un PNJ dans The Witcher 3. Go, go, go. Il y a des diamants qui brillent. Heureusement qu'il est longtemps. Ouais. Putain, il y a l'autre là. C'est quoi là-bas, ça sert à rien. C'est gênant. Le but c'est d'aller où? À la marmite? Oui, je suis repéré à cause du bâton. Ouais, c'est pas aussi évolué. Putain, si on est fou, on peut prendre le diamant, mais j'ai la flemme. Ouais, mais laisse-moi faire quand c'est comme ça. Non, allez, on parie que j'arrive pas à voir le démon. Bah, du coup, on le fait pas. Oh purée. Aucune confiance. Ah, voilà.
Victoire. C'est quoi? C'est ça qui parle. Ouais, c'est pas logique, quoi. Bah non, on a tout fait pour pas se faire opérer, et puis... Ouais. Je sais plus comment ça se passe, là. Voilà, on peut acheter... Tac-tac, on peut acheter des potions, si on veut. Bon, les clés... Ça, c'est hyper important, des fois, l'antidote. Allez, un petit coup d'antidote. Ça, c'est hyper chiant quand on est empoisonné. Ça, c'était quoi, déjà? Gain permanent d'une bulle de vie. Ça, tu as ça, tu gagnes carrément une barre de vie, tu vois. Ça, haute vigueur, soigne toutes les blessures, élimine tout poison, c'est pété aussi, quoi. Quand les nains approchèrent à leur tour, les trolls les jetèrent dans les sacs. Soudain, les trolls commencèrent à se disputer. Gandalf avait imité les voix des trolls et les avait poussés à se battre. Ce qu'ils firent jusqu'à l'aube. Quand le soleil se leva, les trolls furent transformés en... Gandalf, c'est un doubleur, en gros. Comment ça se passe? C'est super flame, limite toutes les voix. Il peut peut-être imiter Jean-Marie Le Pen, hein, comme Ganesh. Hein. Les trolls doivent avoir une caverne pour se protéger du soleil. Il faut la fouiller. Trouvez-la, Bilbo. Trouvez-la. Sauvegardons d'abord, parce que bon, j'ai la flemme de refaire les trolls. Hop. Ah, et puis là, du coup, on va se balader dans... Merde, tactique expert bâton. Cette nouvelle technique vous permet d'enchaîner deux attaques avec le bâton en appuyant rapidement sur B. Je vois que vous avez trouvé un chemin d'entraînement. Cette terre regorge du savoir du vieux royaume. Ils utilisaient ce parchemin pour enseigner leur technique de combat aux jeunes guerriers. Maintenant, ces parchemins sont éparpillés dans ces thèses désolées. Vous apprenez des techniques de combat lorsque vous les ouvrez. C'est passionnant. C'est quoi la nouvelle technique, j'ai pas compris. T'as plus longtemps sur B. Il faut ouvrir des parchemins. Hein. Ouais. Ouais, des cailloux. Ouais, t'en as déjà avec ça. Oh bon. Y'a des loups, bien. Oh. Ah, les combats de loups, j'aurais bien aimé m'améliorer à ce niveau-là. M'améliorer. Ah, mais ils sont chauds. Monter mon ski. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux, les gars. Allez. La caméra, hein, s'il vous plaît. C'est bon. Une musique épique alors qu'on a tué trois loups. Ah. Bah dans la vraie vie, tuer trois loups. Ah, quoique, oui, dans la vraie vie. Dans la vraie quoi vie, que, t'as plein d'associations à ton cul. Autre. C'était une belle ascension. Je dois reprendre. C'est un signe de la caverne des trolls ? Non, et de la clé non plus. La clé ? Il y a bien longtemps, le peuple du roi sorcier a bâti des forteresses sur ces terres. Des créatures maléfiques comme les trolls en ont trouvé les clés et s'y cachent du soleil. Ils sont toujours un peu éparpillés, les noms. Ouais. Les couleurs et tout, quand même, t'as une ambiance. Ouais. Ouais. Et ça c'est vraiment pas mal. Top ambiance. Ah merde. Top ambiance. Ça va jouer dans les notes finales que je vais mettre à la fin du vidéo test. Qui arrivera dans je sais pas combien de temps. Oh purée les fiches. Ah mais on est déjà loin. Tu disais que c'était du spoil quand il y a eu les bandes d'annonce. Mais non, c'est... Oh purée. C'est pas là. Et non mais c'est... Dans la bande d'annonce c'était pas là. Ah ouais. C'est encore un niveau après. Là c'est la première grotte en gros. Bilbo saute d'une corde, il peut grimper ou descendre en appuyant sur... Putain, qui utilisait les flèches quoi en 2003?
En gros, c'est les sticks, quoi, en vrai. Il y a quoi, ces trucs-là? Oh, il y en a pas dans moi. Ouais, c'est... Voilà. Vous avez tué deux crapauds. Yeah. Bon, par contre, deux crapauds, j'avoue que c'est moins épique que des loups. Attends, c'est quoi ce machin jaune? On peut pas le péter là? Si, si. Non, non, non. Bah, t'avais un truc bleu que tu pouvais péter par contre. Là-bas. Là. Ah. Truc radioactif. Oui. Ouais. Merci, Firefly. C'est mon œil à viser. Tu es d'une aide précieuse. Ah, ah, bah voilà. Bah oui, ça s'aide. Bah en fait, c'est pas les trucs verts. Ah, c'est ceux qui sont un peu plus foncés. Et du coup ça revient pas. Non. Ça repop pas. Ah si. Ah, si. Ça repop. Hop. Hop. Fireflav va pas tarder à s'endormir. Il dure combien de temps il le test? Il veut avoir la manette. Il y a le let's play, il dure combien de temps? Le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment. On aura dû regarder l'heure. Mais... Ouais, il déjà... Ou alors faut que je change de chaîne et... Ah il merde, déjà ça... une heure moins 5. Par contre, si je change de chaîne, ça risque de planter le boîtier. Pour voir le temps, donc c'est un peu con. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de test sur une console rétro. Si je fais sur une console HD, en fait, je peux voir en direct le temps. Vu que c'est sur l'ordi portable. Ah ouais, ouais. Forcément. Voilà. Nickel. Ah. On peut apercevoir des petits cannibales. Ah, il me semble, ouais, là je me souviens, il y a un passage secret où tu combats une araignée géante qui est beaucoup trop haut level, enfin qui est assez haut level quoi à ce niveau-là. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? À nous quoi. Parce que, oui. On n'a pas beaucoup de vie quoi et elle enlève je crois 3 cœurs d'un coup. Ah ouais. Je crois, enfin elle fait hyper 3 boules. 3 boules. Ah ouais. Mais on peut quand même la voir mais c'est chaud quoi. Mais je sais plus où c'était, enfin je pense pas que ce soit dans ce... Oh non, je pense pas que ce soit... Je crois là... Oh y'a rien. Non y'a rien. Tac. Oh merde, oh putain. il fait comme le géant de tout à l'heure. Je suis un nain. C'est quoi ça? C'est une elfe. Voilà. Y'a pas ça dans le livre. Non, y'a pas ça dans le livre. Tu as su ce que ce bordel. Une réfugiée. Une réfugiée. En dessous d'un champignon. Je sais pas ce qu'il faut lui rapporter, il faut rapporter un truc. Oh putain, c'est quoi ça là-bas? Si c'est l'un des frustrations, faut me laisser faire. Détruisez les légions du gardien pour faire engager la bête. Quand son ventre est visible, il est vulnérable. Mais bon, en gros, c'est un excuse de boss. Je peux jouer. Ah merde, c'était à la prochaine. Allez, non, en fait, c'était quand t'es mort, mais bon. Comme t'as du mal à mourir. Oui, finalement, ça va. L'ennemi, là, il est costaud, là. Fireflav ne va pas vouloir combattre cet ennemi. Il préfère combattre les serpents verts. Ah, c'est quoi ça? Ressortant de trous. C'est auto, quoi. C'est ça, c'est machin. Hé hé. Par contre, ils sont chiants, ceux-là, aussi. Hein. Oh, oh, pom, pom, pom. Wow. Il mord dans un trou de serpent, le pauvre. Le pauvre. Bon, je peux retenter ma chance. Il va se faire becter. Puis t'es pas obligé de les... T'es pas obligé de les... De combattre? Ouais. Si, c'est ça les légions? Non. Non, c'est le gros. Pourquoi ils disent de battre ces légions? Bah, c'est de battre ceux qui sont autour de lui, là, peut-être. Ah ouais? Il y en a deux, là. C'est quoi ça, là-bas?
C'est le boss. Ah, ok. C'est le gros monstre. C'est ça. Oh. T'es pas là? Ah, c'est là l'araignée, je m'en souviens. Si tu vas là, tu vas voir l'araignée qui va te défoncer en deux secondes. Le coup que. Ouais, qu'est-ce que c'est? Non, en fait, t'as devenu juste l'espèce de loup. Bien joué! C'est déjà dur pour nous. Non. Non. Oui! Non. Oui! C'est compliqué. C'est en projet. Oui. Oh yeah! Ça fait des liens par là où ça passe. Donc tu peux prendre des champignons là. Des t'attaques à distance. En mode marouflard. C'est un début. Tu l'as touché mais ça n'a pas fait. Ah tu vois. Ah mais ils vont me faire des attaques à distance eux aussi. Non mais non mais. C'est pas ça, c'est. C'est ridicule. Quoi? C'est pas ridicule, c'est. C'est stratégique. Stratégique. C'est vraiment Total War. Je suis bloqué. Oh, ce gameplay. On aurait dit un journaliste qui essaye de tester un jeu là. Jeuxvideo.com. Ouais. Ils ont pas de skill. Ah, bonjour, c'est Épion. Faut déjà que je batte ces légions. Le petit là. Il a une tête de renard le machin. Oui, c'est une espèce de renard. Tu le petit là, le petit. Ouais, mais il y a le gros à côté. Yes, il va bientôt mourir. Voilà, parfait. C'est quoi, j'ai. Ah, c'est bon, je sais. Ah, là, regarde, il a fait une attaque là. Il avait qu'une légion. Non mais faut que tu le vises, faut que tu fasses Y je crois, ou je sais plus quel bouton là. X ou Y. Non c'est pas ça. Ouais il a encore un... Un poteau. Putain. Salut. Ah regarde. Quand tu tues le petit, il est pas content et il se lève là. Et c'est à ce moment-là que tu peux le taper, je pense. Ouais, faut que tu retues le petit, puis il faut que tu fasses gaffe après. C'est à l'infini. Ouais. Regarde ce qu'il fait. Voilà. Voilà, reviens, parce que sinon il va te baffer. Et chope des champignons là, parce que sinon tu vas mourir. Oh vite, champignons. C'est bon. Putain. Pas m'avoir. Hein. Ah, oui. Je me fasse discret. Oh. Ah, bah, il a baffé le petit. Comme ça. Allez, au lit. Tiens, tape-le. Non. C'est loupé. C'est loupé. Tu peux utiliser les potions là. Comme ça, je sais plus comment. Mais... Tape-le. Yes. Ah vite. Maintenant il doit y en avoir 3 si c'est logique, tu vois. Je cherchais un champignon. Cours, il est fixe. Il est fixe. Où es-tu? Ah bon. Il a fait mal à un de ses codes. Ah. Oui, tu le petit. Ah mais attends, j'ai plus qu'un... Et tu fais quoi? Mon gars. Bon, je me fais. Ouais, bah c'est pas sûr que t'arriveras parce que là le niveau était relevé franchement. C'est compliqué. Let's go.
Bon, il est où le petit là? Des ennemis comme ça, t'as pas l'impression d'être dans l'univers de Bilbo le Hobbit hein? Non. Oui! One! Oui, mais l'histoire principale, ça respecte plutôt le livre. Ah oui. Forcément que ça soit un peu différent. C'est pas faux. Oh, vite! Yes. Allez, balance son caillou. Bon, c'est quand qu'ils viennent, ses potes? Ah, ils sortent de leur troupeau là. Les poteaux! Les poteaux! Voilà, oh, bonjour! Yes! C'est qui, Bureur Tuk? Ah non, c'est sûr. Oh bah, ah non, ça c'est... S'il vous plaît, j'ai besoin de cette potion. Bah, je l'ai chopé, non? Ah non. Il y a la potion. Le gros, il servait à quoi, du coup? C'était dans les cailloux? Oh, une potion, non. On va voir... Ah, oh, c'est pas ça. Oh. Non, c'est juste du fric. Du pognon. Hop. Il s'est fait. Hop. Hop. Nickel. Bon, bah, c'était fort agréable ce premier Let's Play et Oliver Plasma. Il veut arrêter. Non. Au pire, on finit ce niveau, tu vois. Et, bah, et, je pense et voilà. Qu'il sera fini quand on aidera la réfugiée climatique. Quoi? Le niveau sera fini quand on aura fini de donner la potion à la réfugiée, peut-être. Non. Ah non? C'est pas ce moment-là. Ah, c'est là sa potion. Là, il y a un autre truc. J'espère arriver à temps pour la sauver. Oh, gros lèche-cul. J'espère arriver à temps pour la sauver. J'y vais discrètement. On ne sait jamais. Hop là. Ouais, go. Go, go, go. Tiens. Oh, merci, mon ami. Je suis Yana, une elfe de la forêt. Bilbo Sacquet de la Comté, à votre service. Je recherche la caverne des trolls. Vous savez comment je peux la trouver? On va se faire un objectif, c'est de trouver la caverne des trolls. Mais c'est ça. C'est un moment important dans le livre, si il trouve une épée. Son épée. Là. Bah en fait c'est à la fin de ce niveau, ouais. c'est l'épée. Il trouve d'art, je pense. Ça. Ouais. Et dans le jeu il dit juste, waouh, super cette épée, je vais l'appeler d'art. Je crois que c'est une connerie comme ça. Just do it. Just dance, yeah. C'est un petit côté Just Dance. Daft Punk. On voit sa barre de vie avant qu'il sorte, donc c'est un peu donné là. Bon, par contre, faut que je récupère de la vie. Je veux tricher. Voilà, merci. Un peu de vie. Oh, il y a de la vie. Il y a de la vie partout. Hop. Faut pas oublier que notre principal objectif, c'est d'avancer dans le jeu. Oui. De finir cette vidéo. Il y a un petit passage par là. Il y a toujours des passages. Puis ça, c'est... On glisse dessus, quoi. Ça fait pas. Ouais. En fait, t'es quoi au-dessus? Ouais, pas le coup. quel était ce bruit? Cristal. Ah, de toute façon, t'es obligé de tuer aussi le gros là, parce que pour avoir le cristal, c'est sans doute le cristal en fait. Ah, non, je suis con, c'est ce qu'elle a donné la fille.
Bon, faut attendre. Oh. C'est un champignon ? Ah non. Bon, une plateforme qui vole. C'est peut-être dans le livre aussi. Ouais. 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 Ah, c'est réaliste. Hop. Au moins l'IA est... elle peut être influencée par l'environnement quoi. Ouais. C'est bien joué. Ça sent la fin. Yes. Come on. Voilà. Est-ce que Fireflame, ça t'intéresserait de faire le jeu en entier? Sur plusieurs jours, évidemment. Ça peut être une épopée. Hein. Une épopée. Oui, mais... ah. Te regarder jouer ou participer aussi Non, mais participer, plus, parce que... un petit peu. Ah, c'est tu fais quoi tu fais quelques fails et... pourcentage. Tu fais quelques fails et... on passe ça sur Sony Vegas Pro. Et tu sais, pour faire de l'humour et de l'audimat. C'est ça. Oh putain, il se défend. Ouais, il fait un mur de bouclier. Un mur de bouclier. T'as un truc là-bas. Mais pourquoi il prend pas le diamant? Il fait déjà une overdose. Ah, c'est là l'araignée, peut-être. Ouais, hop. Yeah. Attends, c'est... merde. 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 Mm-hmm. Bon, tant pis. Faut attendre que le truc descende. Oh, fiche. Merde. Ah, oh, ça passe. Yes. Come on. Une potion de soin. Et maintenant, on doit tous retaper. Yeah. Ah, bah ça. Quand on prend des risques. Bon, il vient le truc ou il vient pas? T'es là ou t'es pas là? Voilà, là, on va bientôt retrouver Dar. C'était où déjà? C'est là, je crois. Oh oui. Ouais. So. Oh. Hop. Petite technique de speedrun, hein, évidemment. Enfin le soleil. Ah. C'est quand même Uncharted avant l'heure. Petit effet carte postale. Comment? Ah, on peut pas monter. Oh, oh diable, c'est sinistre caverne. Oh, on voit pas trop là. Ça. Voilà. Ouh. Bon. La clé. Oh purée, la clé. La clé elle fait 1 mètre quoi. C'est plus une clé, c'est un God Michel machin. C'est intéressant de connaître vraiment l'espèce de ces... de ces animaux. Oui. De voir un glossaire. De c'est espèces. Une fusion entre un loup, un renard et une tortue. Un tapir. Un tapir. Ou un tapir. Ah. Un tapir avec une carapace. Mais les tapirs, c'est une carapace. Ouais. Une peau épaisse. Une peau épaisse. Yeah.
essayer de me mettre à l'aise parce que je me fais chier. Attends, pourquoi il y a une corde là? Ça n'a aucun sens. Oui. Ouais. Ah bah si on peut passer par là. Ah mais c'est là l'araignée. C'est ah bah oui. C'est qu'elle ça. Ouais putain. Ouh putain. Tiens elle enlève de la vie quoi. Ah ça. Hop. Putain. Il y en a beaucoup celui-là. Expert relancé. Vous avez appris une nouvelle technique de lancer et vos attaques avec des pierres font maintenant plus de dégâts. Oh, pour en jouer les campeurs. Et oui. Je sais pas où c'est. Hop. Là, on pourra aller de l'autre côté quoi. Donc pour sortir, bonne chance là. Purée. De fiche. Oui Firefly. Oui, c'est le casque. C'était amené, c'est bizarre. Est-ce que je peux jouer un peu, s'il te plaît? Ouais. Attends, on va juste sauvegarde avant. Un peu de vie. La petite sauvegarde. Petite sauvegarde parce que ça va être Firefly qui va jouer, donc il vaut mieux une sauvegarde juste avant. C'est important. Les invités déjà sont toujours bien, bien reçus caméra. Chez Oliver Plasma. Oliver Plasma. Il n'y a pas de souci. Oliver Stream. Le studio. Yes. Donc, on peut dire que Fireflav est un parfait voleur. Mais ça se coupe ça? Non. Enfin, plus tard quand tu auras l'épée quoi. Ah ouais! Il faut l'épée! Mon précieux! Bah d'ailleurs, forcément, il va y avoir l'anneau aussi. Hein. Pour être invisible. C'est quoi ça? Bah, c'est les loups. Ouais, c'est le truc quoi. Je suis pas votre ami! Il est plutôt bien parti là. Oh là 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 là, il a de la skill, il a de la skill. Ça, ça a quand même rien à voir avec le Fireflav de tout à l'heure. C'est un nouveau Fireflav qui... C'est l'évolution de Fireflav. Évolution... je suis un Pokémon de type O. Oui, Fireflav. il est fatigué, je pense. J'étais un psychoquo et je suis devenu un aquaquac. Après, je parle un peu de moi, c'est ma biographie. La quoi quoi qui n'aime pas ce qui est pour la quoi quoi que ça glisse, donc c'est normal. Et voilà. Sûrement un attack surf. Attack surf non maîtrisé. Jusqu'ici tout va bien. Oh! Oh! Oh yeah! C'est incroyable! Maîtrise, maîtrise! Petite vie, mais c'est. Attention, il y a des petits lutins, des petits trucs. Mais c'est cool ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, les cailloux marchent assez bien contre eux. Ah, mais il faut mon bâton en bois, moi! Faut mon bâton voilà, de bois! Voilà, c'est bon, t'as le bâton! Oh putain! Faut mon Justin Bridou! Hop! Wow. Wow. C'est compliqué. Je vais devoir prendre mes pierres. Putain, c'est du Benny Hill quoi. C'est bon. On voit pas avec la. Hop. Je sais comment changer d'arme maintenant. Ouais, c'est du Benny Hill amateur. C'est-à-dire que les caméras elles sont mal placées. Donc. Plutôt fier de moi. Voilà, bon, maintenant faut choper le God Michet. Ah bah faut aller par là. Mettre le diamant d'abord. Ah et sauvegarder surtout très important. Oui. Putain la sauvegarde.
Je vais encore laisser ma trace. C'est le feu de camp, quoi. C'est... Ah, purée, il y a un coffre. Magnifique. Chope d'abord le coffre. Non ? À gauche. Derrière le champignon. Derrière le champignon, là. Il y a un coffre. Voilà. Quel talent. Lol. J'en ai le vertige. J'ai plus le vertige quand c'est Firefly qui joue en fait. La fouiste. Oh. Oh. Les plateformes à la Rayman. Oh là là, les fiches. Non, c'est derrière. Derrière. Voilà. Ah oui, il est... Voilà. Il est au bout. Même pas de musique. Le jeu a tellement honte. Il a tellement honte. Attends, pas trop loin. T'as pas mis en marche le diamant là, le machin. Donc ils avancent pas. Regarde, ça reste sur place. Il faut d'abord ouvrir le coffre. Ouh, le coffre là. S'en fout. Tu veux pas refaire le coffre? Il y a quoi dans le coffre déjà? Il y avait du fric. Oh, tu penses qu'au fric? Mais je suis Picsou. Il m'énerve les gens comme ça. Fais attention à tes distances. L'essence, c'est cher. Hein. Moi, j'ai le déchet cristaux pour vivre. Tu comprends ça? Ah, c'est pas fini. J'ai un peu plus, je faisais un speedrun. Ce fail. Un peu, les plateformes, elles sont désynchronisées là, à toi. Elles sont... Oh là là. Ce talent. Bon, je pense qu'il est noyé là. Ça dure un peu longtemps. C'est pour bien montrer que t'as fail, tu vois, c'est... c'est important. Allez, oh. Attention. Forme qui revient, c'est bon. Non, c'est pas facile. Hein. Regarde, il est vivant. Voilà. Il lui restait un petit point rouge. Hein, c'est... Ouais, tu te rappelles que t'as qu'une vie. Je suis le Joker. Ouais. Si je réussis, franchement. Si tu réussis. Tu me donnes Mario Kart gratuitement. Oh non. Ouais, tu parles, ton jeu il vaut 5 000. Allez, vas-y, on donne Mario Kart gratos. Si tu réussis là. Ouais, je suis toujours en ligne. Je suis toujours en si course. Là tu réussis. Oui, bah oui. Non, si je réussis... Jusqu'à la corde. Oui. Ah. plus de priserie. Oh là 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 là. M'a dit d'avoir Mario Kart gratuitement. Est-ce que je dois utiliser le bâton là? Non. Oh là là, il a... Là, tu sais qu'il y a la clé aussi à droite, hein. Faut choper la clé, hein. Putain, il va se planter. Faut choper la clé avant. Ah oui, faut choper. Là, ça descend. Ouais, mais je crois que tu peux monter. Voilà. Putain. Pourquoi tu fais ça? Oh, remonte. Avant que le truc monte tout seul, tu vois. Ah, mais je pensais qu'elle allait se casser. Non, c'est les verts, du coup, en fait, c'est ça, c'est les verts, ils montent ou ils descendent. Celui-là, il a descendu. Hein, ah ouais, elle fait du bruit, quand même. Et vous faire L. Reste appuyé sur... Ouais, quand tu restes appuyé sur L, il me semble qu'il se tient mieux et on peut tourner.
putain de fond. Ah oui, il est pas mort. Mario peut-être Kart. Pas Mario Kart. Hein. Quoi? Peut-être. Ok, il y a des champignons par terre, hein. Je te conseille d'en prendre, mais... Ah purée, je mets toutes les chances de mon côté. Ouais, ouf. Ouais, mais si je tombe, de toute façon, avec un champignon, c'est pas ça qui me sauve. Non, ça c'est la suite, en fait. Ah, je suis... Ouais, non, c'est... On revient, je suis bien. Allez, 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 il faut... On croit en Fireflame. S'il réussit, il pourra s'entraîner à CTGP plusieurs fois chez lui. Le rêve. Gratuitement. Voilà, attends, c'est pas la fin, hein, c'est... Il faut qu'il finisse le niveau. Ça a changé. T'es vraiment un gros fixou. Eh non. Ouais, mais j'ai eu la clé, mais bon, ouais, allez, merde. Bon, allez, allez, t'as Mario Kart. Tous tes abonnés le savent maintenant. Pourquoi? Tu me dois Mario Kart. Oui. Enfin, combien d'abonnés vont regarder la vidéo? 0,8. Oui, plus. Je me demande d'ailleurs comment ça se fait qu'on ait 750 abonnés. Ouais, ça c'est mes relations que j'ai fait jouer. C'est Rome Total War, vous savez. Non mais tu sais, en 2012 ou 2013, je mettais des commentaires sur jeuxvideo.com. Ouais. Je m'abonne à votre chaîne et vous vous abonnez à la mienne ou des choses comme ça. Ah. Plus un abonné pour vous si vous regardez ma vidéo ou des conneries comme ça. Ouais. Mais non mais putain. Ouais, j'ai encore une chance. Oui, c'est pas accroché. Ça c'est tragique. Ouais. C'est vrai que c'est triste. Et puis c'est pas comme Mario, tu peux faire le saut rodéo, tu vois, pour pas mourir. C'est-à-dire tomber sur le cul et comme ça il perd pas de vie. Ouais. Technique de speedrun. Et puisque c'est bien connu, le cul permet de bien rebondir, tu vois. Du coup tu te fais pas mal. On ne peut pas ici en vrai. La clé. Mais la, oui, oui. La force sortir. Mais oui, Milou, on a trouvé la clé. Sauter en face, là. En face. Et Mario Kart. Ah, tu me croyais pas capable, hein. Ah, mais faut que je finisse ce niveau, c'est vrai. Mais ah. Non, mais on a dit que c'était bon, Mario Kart. De toute façon, ça vaut plus rien. Enfin, il y a des fous qui le vendent à 50 balles sur Amazon, mais bon, voilà. Yes. 50 balles de plus belle. Ah, mais... Bon, on dit ça juste pour la vidéo. Hop, oh non, faut oh, tu refaire, sais bien ce que j'ai refaire, fait. Faut tout refaire, quoi? Faut tout refaire, faut tout refaire, faut tout refaire, non. Ah non, c'est bon, on peut monter. Parce qu'avant il n'y avait pas la corde ici en fait. Ouf. En face, là. Ah là on doit être pas loin de la fin. Ah il faut faire L et A. Attention, Fireflame va-t-il réussir? C'est toute une combinaison. C'est comme une attaque dans... Putain. C'est comme une attaque dans Street Fighter. Et là en fait faut qu'il re-rentre dans la grotte. Voilà, c'est magnifique. Et oui, Fireflame, c'est quoi faut... L L plus A en avançant. Nom de Zeus. Voilà, tu viens de le faire. Ah ouais. Ah mais la corde est juste... Ça va. C'est la bonne. Mais fais gaffe au... Terre de fiche. Bon, ça. J'ai perdu quelque chose. Oui, un petit peu, mais ça. De boules rouges. Ah, c'est ici. Wow.
Let's go. Je suis parti de trop loin. C'était tout pourri. C'était magnifique. Il lui reste plus beaucoup de vie. Ça veut dire que c'est sa dernière chance. Dernière chance de quoi? Ah, si tu te replantes, tu vas encore te faire toucher par les piques. Oui. Et là, je pense pas que tu vas survivre. Faut que je prenne plus d'élan. Ouais. What the bordel ? Pourquoi j'ai pas réussi ? Tu l'as fait trop tôt. Hey, ce jeu est frustrant. Voilà. Ah là là, il a compris la technique, Fire. Fire Vision. Super Vision. Fire VR. T'imagines... Une VR sur Rome Total War avec plein de pixels. Je lâche mes chiens. Je lâche mes chiens de garde. Regardez mes chiens de garde en 3D. Un jeu au réseau superbement. Tu n'as pas le droit de faire ça sur ma partie. Je lâche mes chiens. C'est pas... c'est pas trop ça. J'ai envie d'aller me coucher. Bon, je peux le faire après. Mais bon. Puis et pourquoi j'arrive pas un truc simple comme ça? Oh. Ah, le jeu il en a marre. Tain, de l'expérience là. Ça va peut-être t'aider. Yeah. Doulia. Oh purée. Ah je sais pas ce que je vais faire. Ah là 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 là, faut courir et faire L. Faut courir. Oui, comme ça il commence à faire son truc et... Oh purée le fichtre. Purée le fichtre. Y'a pas un jetpack? Bon ouais. Bon bah je le fais. Y'a pas un jetpack. On n'est pas dans GTA. Hélas. Qu'est-ce que c'est chiant la plateforme. Quand c'est précis comme ça, oui. Mario, c'est plus accessible. Voilà. Là, faut faire vraiment la fin. Ouais, vraiment, la toute fin. Oh, c'est la fin, ça. Oh putain, y'a nous. Attention, c'est le boss de fin. C'est tout. D'XP. Ah, c'est la clé. Hop. Il y a la clé. Quelle épée magnifique. Avec des runes elfiques. Il la chope comme ça, quoi. Un canif pour un troll. C'est vrai, c'est bizarre. Parfaite pour un hobbit. Je dois te donner un nom. Je sais. Je te donnerai un nom. Et je t'appellerai... David. David Lafarge. Voilà. Attends. Faut peut-être anticiper les prochaines parties, parce que je pense qu'il y aura plusieurs let's play de ce jeu très, très intéressant. Est-ce que ça t'intéresse de continuer? Ce soir, là? Non. Non. Bah, ce soir. Pas ce soir, mais prochainement. Pour un prochain épisode, lorsque je serai disponible. Un prochain épisode qui arrivera dans 4 mois. Préparez-vous. Mais oui, mais ça peut être quelque chose d'exclusif. C'est exclusif, c'est incroyable, ça arrive. Ça arrive 3 fois par an. Les gens, ils l'attendront. Donc autant le faire dans un peu comme Conflict Vietnam, sauf que Conflict Vietnam, on a perdu la sauvegarde, c'est mort. Ouais, on est désolé, mais voilà. Ouais, on achète un peu de potions. Tiens, l'antidote, c'est important, l'antidote. C'est quoi ça déjà, l'amélioration du sac de pierre? Augmente la capacité de votre sac de pierre. On s'en fout du sac de pierre. Améliore du coffre médecine, augmente la capacité... Ah, ça peut être pas mal, bon. Ah, comme ça, on peut en avoir 10, tu vois. On a perdu du fric, là. Oui, mais c'est important. Ça, c'est médecine aussi, tu vois. Alors, faut s'acheter des trucs, quoi. Pour l'instant, on n'a pas trop utilisé les antidotes, mais tu verras que plus tard, ça sera vraiment important.
Bon, on monte juste le début et voilà, la prochaine sauvegarde, c'est bon. Ça, c'est pas dans le livre, par exemple. Je comprends pas. Une porte qui ne se dévoile qu'au coup donné par un oiseau, une griffe. Après un peu de repos, Bria Franco. T'as lu le livre hier, ou non brumeux, de nombreuses créatures maléfiques et dangereuses les attendaient, comme les géants des montagnes et bien pire. Les loups et les araignées. Le crapaud. Là, c'est le niveau d'après, les araignées, peut-être. Les araignées, c'est dans le livre. Oui. Bon, par contre, dans le jeu, elles sont vertes, rouges, bleues. dans le livre, bon, elles sont toutes noires. Ouais. Normal. Bon, il y a peut-être une centrale nucléaire dans le jeu. Peut-être une centrale nucléaire dans le jeu, on ne sait pas. Ah, ouais, on vous le montre juste, mais ce sera pas pour aujourd'hui. J'ai envoyé Philly et Philly rechercher un abri. C'est à suivre dans le prochain épisode. Ouais. C'est le trailer. Le trailer de l'épisode, tu vois. On vous montre à peu près l'environnement. Ça va vous, voilà, vous lâcher les babines, mais c'est pour la prochaine fois. Désolé. Waouh. Une putain de DA. Eh, sa cape est fluorescente. Mais non, mais c'est que. Attends. Et l'épée, là. Ah, voilà. L'épée qui éclaire. Ouais, regarde, quand on attaque avec l'épée, là, on a une. Je sens qu'on peut rester appuyé. Ah non, c'est peut-être pas là. Ah, il n'a pas encore la capacité de faire. Parce que normalement, peut-être, il fait un tourbillon un peu à la Zelda, là, un peu à la Link. Et il le fait pas encore. Et c'était quand même pas mal, il y avait pas mal de PNJ. Hein. C'est normal, il y a 13 ans. Oui. Ils allaient pas en oublier 2 ou 3. Bah ouais, mais à l'époque, c'était rare autant de PNJ. Mais par contre, je ne sais pas où on peut sauvegarder. Ah oui! Peut-être avancé. De quoi, oui? Ah oui, bah oui, c'est pour ça qu'on voit encore. Oui. Ah bah voilà, sauvegarde là. Faut pas tomber. Est-ce que je peux sauvegarder moi-même? Cette nouvelle technique vous permet d'enchaîner deux attaques avec l'épée en appuyant rapidement sur B. Okay. Ah bah voilà. T'as vu, regarde, il tape deux fois maintenant. Voilà. Bon, moi c'était bien. Voilà, alors. C'était le let's play spécial Noël 2019. Cette conclusion. C'était un peu plate comme conclusion, mais ça passe toujours. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est un jeu vraiment bien fait en let's play, je pense. Il y a une aventure. Allez, il y a une lunettes. DA. Lunettes. Les notes, ok, tu donnes combien? Le scénario, la sur bande la son. Jouabilité, les graphismes. Voilà, bon, on va pas faire les notes de façon jeuxvideo.com, en plus nous c'est en plus, façon on les à l'arrache. Fait à l'arrache. Bon, alors tu donnes combien à la fin? Ouais, 17, oh, peut-être 18, hein. C'est pas sûr. Bon, sur ce, à la revoyure pour de nouvelles de aventures. Nouvelles... aventures. En 2020 pour moi sûrement, et Oliver peut-être plutôt avec ses nombreux projets. Nombreux contenus. Nombreux contenus. Quelques projets MP3 dans les. À quelque part dans le placard là. Voilà. Alors voyure. Pour de nouvelles aventures.